invité samedi 26 mai dans Salut les Terriens, Corinne Touzé est revenue sur les conséquences de son départ de la série Une femme d'honneur en 2008. En quittant Une femme d'honneur en 2008, Corinne Touzé ne pensait sans doute pas vivre une telle traversée du désert. En 2014, celle qui interprétait Isabelle Florent dans la série de TF1 avait expliqué d'adjudant-chef d'Une femme d'honneur. Invitée samedi 26 mai dans Salut les Terriens, Corinne Touzé est revenue sur cette période difficile. Toujours comédienne, où elle s'épanouit désormais. Car après Une femme d'honneur, les portes de la télévision se sont fermées pour elle, comme elle l'a confirmé à Thierry Ardisson. J'ai effectivement été blacklistée pendant 3 ans, mais il n'y avait pas de raison précise si ce n'est que j'avais quitté la série en pleine gloire. Donc on ne me l'a pas pardonné. Les autres chaînes auraient pu m'engager aussi, mais elles ne l'ont pas fait. Un mal pour un bien pour Corinne Touzé, qui a pu se consacrer à des projets qui lui tenaient à cœur. L'année où je suis partie, j'étais sur scène 7 mois plus tard et depuis, j'y suis toujours. Mais si son départ de la série de TF1 lui a causé beaucoup de soucis, l'actrice âgée de 58 ans en garde aussi de bons souvenirs. Une femme d'honneur fait partie des plus belles années de ma vie à la télévision. Juste à un moment donné, j'ai demandé d'avoir la possibilité de faire autre chose. On m'a refusé cette possibilité, donc je suis partie.